Billy, tu vas prendre le soin qui est l'heure. Parce que je m'attends au pire. Ah, tu peux plus prendre d'objet? Attends. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, les amis? Alors, c'est... Ah oui, on va laisser les rubans en creur. Yes. On va les laisser dans cette salle-là, de toute manière. Tac, tac, tac. Et Rebecca, chérie, j'espère que tu vas bien, là où tu es. On va regarder vite fait si Rebecca est... Eh bien, là où elle est. Elle a l'air de s'ennuyer, la petite. Elle est déjà équipée de ça. Elle est mise en attaque. Donc, elle peut se défendre, même si on n'est pas là. Donc, c'est bon, les amis. Allez, on y va, les amis. Il y a le monstre sangsue qui doit traîner, j'en suis convaincue. Ça me stresse, on va pas se mentir. Mais écoutez. Alors, on s'équipe de ça. Billy, recule! Est-ce qu'il est en train de mourir ou... Il est mort? Pampan, t'es mort? Pampan, t'es mort. Ok. Il y a des plantes. Ah, nickel. Alors, écoutez, on va s'équiper de notre fusil. Bon, ça va, on s'en est sorti. On s'équipe de ça et on va utiliser ça, les amis, parce qu'apparemment, il faut l'utiliser là. Yes! Donc le Marcus il a été totalement starbé, on va pas se mentir. La serrure est débloquée. Donc qu'est-ce qui se trame derrière, les amis? Roulement de tambour, on va voir. Hop! Y a personne ici? What? Choqué! Bobine! Ok, bobine. Il y a autre chose. Ok, il y a quelque chose d'écrit au dos de la photo. À James, en souvenir de ta remise de diplôme de 1939. Ok, une photo. Ok. Ah, cinématique. Judging from the age, D'après son that guy âge, could be ce type pourrait être Marcus's le fils de son ou grandson. Marcus, ou bien son petit-fils. Super intéressant. Ça nous a vachement apporté quelque chose de savoir ça, Billy. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, des munes, des rubans. Bon, écoutez, on a ce qu'il faut. Rebecca, elle a des munitions. On est juste venu pour avoir ce truc. Donc, je suppose que ça nous servira à un moment donné. Donc, on sort et on va aller à la pièce qui était juste avant, les amis. Et on va voir ce qui se passe. Ah! C'est un dispositif pour entrer la combinaison. Mais il manque une pièce et il est inutilisable. Donc faut qu'on trouve un truc pour entrer là. Donc là c'est la bibliothèque. Là le passage est toujours fermé. Alors les amis, est-ce qu'on a loupé quelque chose quelque part? Parce que là si je prends ça c'est l'ascenseur, je suis pas tarée. Je vais vérifier quand même. Sait-on jamais? Ouais, c'est bien ça. Donc, les amis. Ah, il a eu le truc. Peut-être qu'il faut le donner à Rebecca. Peut-être. On est coincé. Cette pièce, on ne peut pas y entrer parce qu'il nous manque une pièce. Et ce qu'on a est clairement pas ce qu'il faut parce qu'il faudrait un truc arrondi. Les amis, ça craint. Ça craint. Ouais, ça craint. Bah, on va filer notre petit truc qu'on vient d'avoir à Rebecca. Et on va voir si elle peut en faire quelque chose en bas, là où elle est. Parce que pour le moment, moi, je vois pas quoi faire avec Billy. D'autre. Puisque, bah, il est déjà... Il est bloqué. Ouais, on est bloqué. Bon. Allez, Billy, rentre là-dedans. Ouais, on est bloqué, les amis. On va essayer de voir. Alors, Rebecca, ma petite chérie. Je vais te filer ça, mon chou. Yes. Donc, on va envoyer ça à Rebecca. On va voir si elle peut s'en servir, puisque nous, pour l'instant, on peut pas s'en servir. Est-ce qu'elle peut s'en servir là-haut pour débloquer la pièce? Je ne sais pas. Mais nous, on ne peut rien faire d'autre.
Bobine d'entrée. Ah non, c'était la pièce qui était là-bas. Attendez, faut que je revienne en arrière. Tac. On va voir, les amis. Parce que là, franchement, je ne vois pas quoi faire de plus. Oh, j'aime pas l'histoire qu'il y a le zombie là. Est-ce que je peux utiliser ça là? Non, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Alors, les amis, je suis coincée. Parce que là, la porte elle est fermée. Ouais, le bloc toxique. Ok, donc il faut qu'on trouve quelque chose. Hein. Je refais le tour. On fait le tour, on fait le tour, les amis. On va voir si on trouve quelque chose. Parce que là, on est coincé. Ça m'embête. On repasse là où on est passé, écoutez. On a dû louper quelque chose. Donc là, les bidons. La porte est toujours verrouillée ici, on est d'accord. Donc la plante de ruban encreur. C'est trop haut pour sauter. Ah, donc elle peut pas y aller là-bas. C'est le seul endroit où j'étais pas du tout allée. Elle a une place. Je vais prendre les cocktails là que j'avais préparé. Je les avais préparés ou pas ceux-là? Non, c'était pas ceux-là que j'avais préparé, je crois. Façon, on va refaire le tour dans les pièces où on était. Alors, hop. Allez, on sort de là, on va retourner voir dans les autres pièces. Si on trouve les cocktails qu'on avait fait, je les prends et j'en donnerai à Billy. C'est l'en a utilisé, donc il en faut en secours. Et cette pièce, c'est fermé. Alors les amis là, donc c'est pas utilisé ici. Ah, on est coincé, on est coincé, on est coincé. Est-ce que j'ai loupé un truc? Ah bah, développe mes cocktails. Voilà les amis, j'ai les cocktails, on pourrait donner à Billy. Donc il faut que je trouve, hein. Il y a un truc qu'on a pas, qu'on a loupé, hein. C'est obligé là. À l'intérieur, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Donc là, c'est là où on avait eu notre truc. On a dû utiliser le décapant. Le plan. Alors. Là, c'est la pièce où il faudrait qu'on débloque ça. Là. Il y a une pièce qui est bloquée. Ok. Ah, on est coincé. On est coincé, les amis. Il y a un truc qui m'a échappé. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Je suis convaincue. Donc là, ça c'est la porte qui est bloquée et qu'on n'a pas accès. Je vais re-rentrer là-dedans. Je cherche, je cherche, je cherche. Donc là, la porte qui est fermée. Il y a la plante. Là, il y a les cocktails. Là, ici, je peux pas descendre pour le moment. On est coincé.
Alors, les amis, j'ai refait le tour avec Rebecca, histoire de voir si j'avais loupé quelque chose, et j'ai rien trouvé. De plus, j'ai repris les cocktails, du coup, Molotov que j'avais créés pour les envoyer à Billy. Et bah, je vais m'apprêter à faire la même chose avec Billy, je vais aller refaire un tour en bas, parce que il y a quelque chose qui m'a échappé, c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas là. Donc, il faut que j'arrive à trouver c'est quoi le problème, qu'est-ce qui me manque justement pour pouvoir avancer, parce que bah, là, on est coincé, et c'est un petit peu contraignant. Hop, donc Billy, comme ça, il a à nouveau des cocktails Molotov sur lui. Alors, Billy. Donc, Billy, il a 5 cocktails, il a son fusil. Là, il y a tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé ici? Je vois rien, les amis. Les amis, on se retrouve donc dans la salle où il y avait l'essentiel, tout simplement. J'avais pas vu qu'il y avait une pièce ici. Et c'est en regardant le plan que j'ai vu qu'il y avait une salle qu'on n'avait pas explorée. Donc c'est parti, on y va. Donc ça tombe, c'est là qu'il y a la chose qui nous manque pour pouvoir avancer dans cette fichue aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de cette porte? Hop, toi tu meurs, Pampan t'es mort. Et toi, tu meurs aussi, merci. Bonjour madame, au revoir monsieur. Ah, il y a quelque chose dans la main de la statue. Oh, une autre sangsue. Ok, donc c'est bon les amis. Il y avait bien un truc qui m'avait échappé. Donc c'est plutôt bon. Au moins on a ça. Il y a l'air d'y avoir rien d'autre dans cette pièce. Donc c'est parti. On fait une demi-tour. Et on va aller refourguer ça à Rebecca pour qu'elle puisse aller dans la pièce où elle a besoin de la sangsue, tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc je suis contente. On a débloqué la partie parce que j'étais en mode bah mince, il y a un truc qui m'a échappé, c'est pas possible. Dans Resident Evil, tout s'enchaîne et il n'y a pas de problème normalement. Donc c'était bien moi qui avais fait une erreur. C'est plutôt bon. Donc là, il y a l'histoire de la clé, le cadran là, l'histoire de truc là. Le truc rond, je pense que ça doit être un cadran qui manque. Comme si c'était une horloge ou quoi. Hop, allez les amis. Donc c'est parti, on va filer ça à Rebecca. Envoyer quelque chose à la salle d'opération. Oui, monsieur. Alors, et on va envoyer ça à Rebecca, chérie. Allez, c'est parti. Allez, mon chou, à ton tour. Voilà, j'adore quand elle attend comment aller là, avec sa tête et sa main là en mode. Je me fais chier, les amis. Yes! Alors c'est parti, voilà, nous on va pouvoir débloquer cette porte. Du coup, non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. À chaque fois, je me trompe, les amis. Il faut que j'ouvre mon inventaire et que je fasse utiliser parce que ça s'utilise pas tout seul, ça. C'est pas comme les clés. La serrure est débloquée. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend derrière, les amis? Roulement de tambour. Oula! C'est un zombie qui rampe. Ouais. C'est bon? Toi aussi ou ça se passe comment? Bonjour? Non, il se relève pas. Mais il bouge ou je rêve, les amis? Je deviens dingue. Non? Ah, je m'en doutais, mais purée, mais... Ah, c'est quoi ce truc? Agent stérilisateur. Ah, ça doit être ça qu'il faut pour relever le truc toxique. Alors. On prend des munes. On peut plus transporter d'objets. Ok. Donc des sacs mortuaires et tout, c'est très fun ici les amis. Avec des pieds et tout. Bon, c'est parti, on va y mettre ça dans la salle où il y a l'espèce de truc toxique. Je pense que ça va nous aider. Et on va voir bah, la suite. Hein. Ça va, là on arrive à enchaîner. On a débloqué le moment où on était un petit peu coincé. Tac, tac, tac. Allez, c'est dans la salle d'à côté.
Ah, c'est un vrai moulin ici, hein. On se croirait dans les trucs de miroir là où vous êtes coincé, tellement on fait que ça d'aller de pièce en pièce. Alors, c'est parti. Donc là, je m'attends à tout avec les fucking zombies là. Donc, on utilise ça. Et c'est tout à fait ça, les amis. Ah, bah, nice. Je suis contente. Un zombard. Il y a un truc qui brille. Ah, une clé. J'aime pas ça, les amis. Ça pue avec les deux zombards qui sont là. Ça pue. Mais non, mais... C'est bon? C'est bon. Alors, c'est quoi ça? On dirait un dispositif servant à entrer du gaz dans la pièce. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la clé, s'il te plaît. Non. 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 J'ai dit... Voilà la clé, les amis. Alors, c'est quoi cette fucking clé? Examinez. Une clé sur laquelle est gravé le visage d'un monstre. Ok. Est-ce que moi à l'étage j'ai quelque chose où je peux utiliser cette clé? Je ne sais plus. Il y a plein de portes qui sont fermées, donc c'est un peu compliqué. Bah écoutez, moi je vais tenter d'aller là où je suis d'abord. Et si nous ça ne débloque pas de porte, il faudra donner à Billy. Et c'est tout, hein. Pouf, les amis. J'y suis déjà allée ici. Je pense. J'y suis déjà allée. Est-ce que c'est pour la clé qui... La porte qui est là? Ok. Non, on a compris. Est-ce qu'on doit l'utiliser ici? Non. Ok, donc on sort, les amis. C'est pas cette porte-là. Faut trouver la porte, bon sang! Où est passe-partout, les amis, là? Ça ne va pas, là. Alors, est-ce que... Yes! C'était pour cette porte. La clé de la salle d'élevage. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter. Bah yes, on la jette. Écoutez, allez, c'est parti les amis. On va aller voir ce qui se trame derrière. Et j'ai pas rechargé mon arme, bien évidemment. Et c'est le GG pour Hello. Alors, combinez ça avec ça. Et on est bon, les amis. Oh, j'aime pas ça, les amis. Des caches comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est en train de mourir ou... Oh, je suis en attention, les amis. Mais purée, ils m'ont fait peur, les salopards. Pardon, j'étais un gros... C'est pas bien. Rapport sur les ADO. Les recherches démontrent que lorsque l'on administre le virus précurseur à un organisme vivant, de violentes mutations cellulaires provoquent une défaillance du système. De plus, personne n'a trouvé de méthode satisfaisante pour contrôler les organismes afin de les utiliser comme armes. Il paraît clair qu'une meilleure coordination au niveau cellulaire est essentielle pour assurer une croissance durable. J'ai mené un certain nombre d'expériences afin de trouver une solution. Voici mon rapport. Insectes. Ces animaux anciens sont génétiquement stables depuis des millénaires. Est-ce pour cela que l'administration du virus précurseur provoque une croissance explosive et un tel regain d'agressivité? On les imagine difficilement en tant qu'armes bio-organiques. Amphibiens. L'inoculation du virus chez la grenouille provoque un allongement des sauts et une croissance anormale de la langue. Cependant, les capacités mentales n'évoluent pas. Par ailleurs, le sujet est pris d'un appétit dévorant qui le pousse à s'attaquer à tout ce qui bouge. Utilité, pardon, limitée en tant qu'arme bio-organique. Mammifère. Le virus précurseur a été associé à de l'ADN cellulaire de singes. La fertilité s'est accrue et les jeunes ont fait montre. Les jeunes ont fait montre, oui. D'une plus grande agressivité ainsi que les capacités mentales supérieures. Les sujets sont atteints de cécité, mais leurs capacités auditives se sont développées pour contrebalancer cet événement. Inconvénient, pardon. Cependant, ils ne sont pas efficaces en tant qu'armes. Apparemment, aucun progrès n'est possible sans utiliser d'organismes humains.
Waouh! Donc là, on en apprend plus sur les expériences, etc. On apprend sur les saints parlés. Donc ce serait des grenouilles qui ont muté? Ah, un truc qui brille! Bon, ok, on a le cadran, donc ça doit être pour Billy. Par contre, nous, il faut qu'on se soigne. Il faut qu'on se soigne, les amis. Je n'aime pas ça. Bon, j'espère qu'on va pas croiser de bestiaux et qu'on va pouvoir se soigner avant. Tac, 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 sortons de là, Rebecca, sortons de là. Les amis, sacré alpaté, on a croisé des hunters. Secours! Alors. Non, c'est par là. Par là, par là. Bonjour, la porte. Ici, la porte. Alors, je raconte des conneries, hein, je le sais. Alors, est-ce qu'il y a un soin qui traîne ici? Les amis, je veux du soin. Je veux du soin, du soin. Dans la salle d'à côté. Bon, un soin, les amis. On envoie ça à Bibi. Et c'est ba... et c'est parti. Roulez jeunesse. Et on va essayer de progresser là-dedans. Alors, on va donner ça à Billy. Hop. Envoyer quelque chose à la bibliothèque. Yes. On va envoyer le cadran à Monsieur Billy. Allez, soit tu pars et moi je vais prendre vite fait un soin, histoire de pas crever, les amis. Allez, coco! C'est trop long, les amis, c'est trop long, c'est trop long. Hop, allez, Rebecca, ma chérie. Ah, voilà, il y a bien un spray ici. Je savais bien qu'il y en avait un. Il y avait du soin quelque part. D'étranges sur la table d'opération. Alors, les amis. Ah les amis, c'est bon, on a pris le soin, on a réussi, pipi pourra. Non, c'est bon, on a compris. Donc on utilise ça, tac, tac, tac. On va retourner auprès de l'ascenseur. On sait jamais si Billy doit nous renvoyer quelque chose parce qu'on a encore une salle qui est bloquée quand même. Donc on se met là, on prend Billy et c'est parti les amis. Allez Billy, non Billy, 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 attends. Billy, il a une tasse vide, donc c'est bon, les amis, c'est good. Hop, on récupère notre petit cadran. Yes. Notre arme. Hop, on combine ça avec ça. Désolée si vous entendez du bruit, je suis pas tout seul à la maison, donc c'est possible que vous entendiez du bruit. Donc c'est parti. Donc on ouvre ça. Billy a un soin, il a des équipements, il a des armes, tout. Du soin. Tout va bien, les amis. Je perds mes mots, j'en perds le latin, mais tout va bien. Du coup, faut qu'on utilise ça là. Utiliser. Utiliser. Le dispositif est réparé. Entrez une combinaison. Non, je n'ai pas de combinaison. C'est les amis. Alors, nos fichiers. Croissance des sangsues. Ouais, c'est là où il y avait. Ouais, voilà. 4. Donc, il faudrait qu'on utilise le chiffre 4. 4 sangsues. Nombre à doubler. Donc, 8. 4, 8. Paire de 2 spécimens. Donc, 8 moins 2. Ça ferait 6. Et la perte. Moitié de l'effectif, donc ça serait 3. Donc 4, 8, 6, 3. Pour le cadran, ça serait ça? Yes. Ok. Ah non! Attendez, il a compté alors que c'était pas ce que je voulais. On recommence. Ok. On entre le deuxième chiffre. 8. 6. 3. La porte est déverrouillée. C'est bon, les amis, on a réussi. Wouh! Hey, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Cinématique! Je pourrais peut-être utiliser ceci. Ici Rebecca, à vous. Ici Billy, j'ai trouvé quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un téléphérique. Ah bon, super. On va pouvoir s'en sortir. Ouais, retrouvons-nous dès que possible. À vous, bien reçu, terminé. Alors, les amis, il faut qu'on arrive à faire en sorte que Rebecca rejoigne Billy.
Et j'en ai aucune fucking idée. Donc on vient de cette porte. Qu'est-ce qui se trame par ici? Non? Ah oui, d'accord, il peut pas passer au-dessus. Ah, c'est quoi ça? Ah! C'est un levier. L'actionner. Bah ouais. Dans la salle où était Rebecca. Il y a un truc qui brille. Billy, pourquoi tu veux pas ramasser? Ah voilà. Donc c'est quoi? Bobine. Une bobine de sortie? Donc là, le télé machin. Billy va prendre l'échelle. Monter l'échelle, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il arrive là où était Rebecca tout à l'heure et qu'elle pouvait pas descendre. Ok, donc là il y a de quoi sauvegarder, il y a des plantes. Et là la salle. C'est fermé, impossible de l'ouvrir. Alors Rebecca, tu vas rejoindre tonton Billy. Et on va voir comment déverrouiller cette porte. Parce que là j'en ai aucune fichue idée. Mais au moins déjà on va rejoindre Billy. Ah, bon, bah on est plutôt bons les amis. Ah, c'était la première porte. C'est celle-ci. Si j'ai pas de bêtises, c'est celle-là. Hop. Allez, pousse-toi de là. Est-ce que... Nécessaire pour remettre le téléphérique en marche. Donc faut que j'utilise ça là-dedans, dans la salle de contrôle. Bon, je fais n'importe quoi, les amis, mais j'essaie de comprendre pourquoi la porte ne veut pas s'ouvrir, hein. Nécessaire pour remettre le téléphérique en marche. Ok, est-ce qu'il y a un truc qui m'a échappé en bas? Reste là, toi. Alors, les amis, il faut qu'on trouve. Il y a un truc qui nous a échappé. Alors, les amis, voilà, j'arrive ici et je vois qu'il y a un trou. Donc, on va prendre Rebecca et on va la faire venir où est Billy? Il est descendu. Je pense qu'il faut me grimper là-haut, les amis, histoire de pouvoir aller chercher peut-être la clé, quelque chose pour pouvoir rentrer dans le truc du télésiège, là, le machin, là. Mais il y a quelque chose. C'est clair. Bon. Par contre, il va falloir qu'elle ait le grappin. L'inventaire. On va échanger ça. Non. On va pas échanger, donc je vais laisser ça au sol pour l'instant. Billy, tu restes là. Et le grappin, il est où? Ah non, le grappin, il est là-haut. Ah oui, le grappin, il est là-haut, les amis. Purée, je suis venue là pour rien. Alors, les amis, on prend l'échelle, c'est parti. Et tout simplement, on va aller récupérer le grappin pour que Rebecca passe là-haut parce que je pense qu'il doit y avoir un truc. Il va falloir qu'on récupère pas mal de choses avant de prendre le truc parce que sinon, on n'aura plus nos munitions, etc. Et ça serait dommage. Hop, allez, c'est parti. Alors, le grappin, j'ai laissé là-bas, je crois. Il y a un truc, c'est sûr, là. Il y a un truc, les amis. Hop. Il est pas là? Ah mince. Où est-ce que j'ai foutu le grappin? Voilà, les amis. Ça y est, on a le grappin. Donc, on va pouvoir aller voir là où est Billy. Histoire de pouvoir s'en sortir. Et après, il va falloir aller chercher nos munitions et tout dans la salle. Histoire de partir avec tout ça avant de prendre le truc. Le télésiège, je sais pas trop quoi là. Mais voilà. Ça.
Ça sent la fin de ce lieu, donc on va voir ce qui nous attend ensuite. Un nouvel endroit. Ou est-ce que c'est déjà la fin du jeu? Bon, j'en doute quand même. C'est que le 10e épisode, donc ça me paraît très bizarre qu'on ait déjà fini. Tac. Descendre l'échelle. Yes, les amis. Les amis, on réutilise le grappin pour une dernière fois et on va aller voir ce qui se trame là-haut. Il nous manque une clé. Parce que là, on a deux accessoires pour remettre en route le télésiège, là, le truc. Ah ouais, nice. Ah, il faut qu'on utilise un truc là. Ah, j'ai tout laissé à Billy. Ah, ah voilà les amis, ça y est, la pièce est déverrouillée. C'était juste ça. Ah bah Billy, mon chou, franchement là, je m'attendais pas à ça les amis. Hein. Donc, je vais le laisser là. Parce que est-ce qu'on en aura encore besoin, sérieusement? Ça m'enquiquine de le garder. Donc on va rejoindre Billy et on va aller tous les deux dans la salle où il y a tous nos grenades, nos trucs de magnum et tout. Et on va prendre tout ça. Parce que clairement, on va changer d'endroit, donc je veux nos munitions. Come on. Eh bien Billy, suis-moi mon chouchou, on y va. Attendez. Ah, il peut plus transporter d'objets. Attendez, qu'est-ce qu'il a sur lui? Qu'est-ce qu'il a sur lui, Billy? Ah, je vous avoue, je suis... Je sais pas trop, les amis. On va laisser le spray. Bon, Billy, c'est un qu'il y a avec Rebecca, du coup, parce qu'il a pas de, il a pas de place. On ramasse ça. Et tout ça, c'est pour là-haut, dans un sens. Alors, attendez, Billy va aller là-haut. Il va aller poser tout ça dans la salle. Alors, les amis, c'est encore un micmac niveau inventaire. Hein. Ça, malheureusement, ça en fait partie. Donc, on est là-haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'utilise ça? Ouais. Donc on a mis ça. Billy, 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 tu vas prendre. Mais les amis, je voyais des munitions. Ah oui, elles sont là. Voilà, c'est parti. Donc on prend... attendez. Ah si, j'ai mis non, mais il les a pris, ça va. Ah oui, il faut utiliser peut-être là. Alors attendez, on va laisser ça là. On va pas mettre en route tous les sièges là, clairement, parce qu'on est quasi à la fin de l'épisode, les amis. Je pense qu'avec les petits cuts que je vais faire par endroit où j'ai essayé de faire demi-tour pour trouver pourquoi j'étais coincée, je pense que voilà, on va aller chercher tout ce qu'il faut dans la salle là-bas. Comme ça, la prochaine fois, eh ben, on ira tout simplement avec le télésiège voir ce qui se passe derrière. Enfin, la télécabine plutôt, c'est une espèce de cabine. Et on verra ce qui se passe après. This way. Okay. Bah, pousse-toi de la porte, une petite. Allez, viens Rebecca. Voilà les amis, on va aller dans cette salle-là, on va récupérer toutes nos grenades, nos munitions et machin. Et ensuite, eh ben, on va sauvegarder pour aujourd'hui et bah, on verra ce qui se passe. Donc les munitions pour Magnum, je les ai mises là-bas. Donc ça, je vais les récupérer parce que si on a un boss de fin assez corsé, il va nous falloir nos munitions.
Tac, tac, tac. Il n'y a rien par ici. Rien, rien, rien. On prend Rebecca. You stay here. Tu okay. restes où t'es, toi. Et moi, je vais récupérer tout ce qui traîne. Donc, les amis, j'ai récupéré les grenades pour Napalm. Donc, direct, on va combiner avec ça. Comme ça, on a tout dedans. Et elle va pouvoir prendre les autres grenades. Hop, les grenades acides et les grenades classiques. C'est parti. Voilà, on a les grenades classiques, les amis. Elle a tout. This way. Ok. Donc, Billy, tu vas prendre les rubans et tu vas sauvegarder. Comme ça, la prochaine fois, Billy laissera les rubans pour placer l'item et on sera bon. Donc voilà, les amis, on va sauvegarder pour ce 10e épisode, du coup. Et on verra où nous emmènera la télécabine ensuite. Voilà, tout simplement. Donc, on enregistre. Et voilà, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Donc, on aura quand même pas mal progressé en 2 épisodes. On aura fait cet endroit-là. Donc, je suis plutôt satisfaite. Voilà, les hunters nous ont fait mal, mais on a rétabli la situation. Donc, ça va, c'est plutôt bien. Donc, je vous laisse là pour cet épisode. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, les amis. Je vous fais des bisous. Bye bye à tous.